Salut les amis, bienvenue sur Guitar Day. Alors, une petite astuce, si vous voulez accorder à l'oreille, hein, si vous n'avez pas d'accordeur, vous n'arrivez pas à vous en fournir un et que vous voulez quand même arriver à jouer. Hein. Donc la corde de mi, la corde du haut, la plus grosse, d'accord. Donc vous essayez de vous l'accorder ou vous la faire accorder, il faut qu'elle sonne comme ça, d'accord. Donc là je vous fais sonner, essayez de la faire sonner en même temps sur votre guitare pour qu'elle ressemble le plus possible au son de la guitare. Là. Voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé à faire ça, plus besoin d'accordeur, vous allez pouvoir vous servir du manche pour pouvoir accorder. C'est-à-dire, vous allez vous placer votre doigt donc sur la corde du haut, la grosse, 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc vous allez compter 5e case, voyez, celle-ci. Vous allez appuyer dessus sans appuyer sur les autres, vous appuyez que sur celle-là. Hein. Il faut faire un pont, vous voyez. En fait, je ne touche que la corde du haut, je ne touche pas les autres. Hein. Je touche la corde du haut, je fais un pont par-dessus les autres. Voilà, j'obtiens une note qui est la même que celle d'en dessous. Donc j'obtiens un La. Là, je joue les deux là. Vous voyez, c'est exactement la même note. Je joue les deux cordes du haut. Donc après, c'est à vous de régler au niveau du haut du manche, hein, d'arriver à régler pour qu'elle sonne pareil. Ensuite, donc ça fonctionne pareil pour les autres cordes. Voilà, je prends cette corde-là, je fais la même chose, j'appuie dessus. Et cette corde-là doit sonner pareil que celle d'en dessous. Voilà. Ensuite, je descends d'une corde, décidément. Et je joue la corde et il faut qu'elle sonne pareil qu'en dessous. Voilà, sonne pareil. Là, vous descendez d'une corde. Par contre, vous allez remonter d'une case. Donc, on ne va pas jouer cette case-là, on va jouer la case du dessus. La quatrième. Vous jouez la corde et vous écoutez si en dessous ça joue pareil. Voilà, c'est la même chose. Ok. Ensuite, pour celle-là, l'avant-dernière. D'accord. Pas la dernière, celle du dessus. Donc on revient en cinquième case et on joue celle du bas. Voilà, et on règle au fur et à mesure pour que ça sonne pareil. Voilà, et donc là, vous êtes arrivé à accorder votre guitare sans accordeur.